Salut, salut. Vous savez, euh, depuis que vous me suivez, je mm -hmm. sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie pour la première fois. Il y a une dame qui m'a écrit, ça fait huit ans qu'elle a divorcé. Et depuis octobre qu'on se connaît, j'ai commencé à travailler sur elle en octobre, effectivement. En huit ans, elle a, elle, a, elle a eu deux chocolats. Deux chocolats qui l'ont approché en l'espace d'une semaine. En fait, elle n'en revenait même pas. Elle était genre, oh my gosh, j'ai un chocolat. Deux jours plus tard, me dit j'ai un chocolat blanc. Donc on a eu le chocolat noir, le chocolat blanc. Et je ok super. Euh, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de. C'est maintenant que vous avez les bonnes choses qui commencent à. Je sais pas comment on peut dire. Tu étais habitué avant aux mauvaises choses. Tu étais habitué aux mauvaises nouvelles. Tu étais habitué aux mauvais résultats. Donc tu vois, il y avait pas de. Il y avait pas de. On peut pas dire pas de bénédiction, en fait dans ta vie. Il y a une lampe de chevet ici, là, qui ont vraiment donné. Je ne peux pas aller mieux. C'est trop, trop fort. Là, c'est mieux. Oui, William, je sais que tu aimes le chocolat. Donc, comme je disais, il y en a parmi vous, depuis que vous me suivez, les bonnes choses commencent à arriver dans votre vie. Et il y en a même, vous vous, vous commencez à vous habituer que ah peut-être que ce que je voyais dans le rêve, là, oui, je me voyais dans le rêve, j'étais heureuse. Souvent, tu te surprends à tel être heureuse. Et c'est qu'il y en a parmi vous que vous avez souvent passé des années sans qu'un chocolat ne vous drague. Et te voilà en l'espace d'un mois. Tu as quatre chocolats qui te draguent. Et les bons chocolats, hein. Pas le genre de chocolat qui est comme le maltaisier, qui est gros comme ça. Là. Non, 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 non. Chocolat bien, bien, bien fait là. Oui. Tu restes en une journée comme ça, on te complimente. En fait, votre vie va commencer à changer. Et ça va d'abord commencer par le fait que tu vas te sentir bien très souvent. Tu vas rester comme ça là. Tu vois, comme tu restais avant, tu étais pessimiste. Tu savais que, ah, ma vie va, ma vie va même ou non. Ah, je vis même pourquoi. Qu'est-ce qui peut me arriver de bon dans ma vie? Quand tu, tu te surprends souvent en train de rêver, tu vois, au moins tu planifies que dans 15 ans, J'aurais déjà 5 immeubles. Dans 20 ans, j'aurai déjà 3 milliards. J'ai des grands rêves. Ma chérie, laisse-toi aller. J'avais un chocolat là. Quand il me draguait encore le... Tu vois, le chocolat disait toujours que laisse-toi aller. Ma chérie, laisse-toi aller. Parce que moi, j'avais les résistances sur le chocolat. Tu vois, quand tu pars à l'église, donc... On te dit qu'il ne faut pas forniquer. Il hein? ne faut pas forniquer. Si tu fais, tu, tu manges le chocolat avant le mariage, c'est que c'est la fornication. Donc, quand il rencontre un chocolat comme ça, dès que le chocolat me plaît un peu, il dit, il dit que non, il dit que non. Il dit, laisse-toi aller. Je dis, non. Voilà. Ça, on ne va pas parler de chocolat ce soir. Bonsoir. <laughs> on va parler juste de bien-être, OK Voilà. Bon, si ça vit dans le chocolat, ça a viré. On va quand même refuser. Bon. Vous allez vous rendre compte que votre ma... vos idées sont en train de changer des idées de votre famille bonsoir si vous venez d'arriver dites moi bonsoir et vous likez ma vidéo et vous partagez ma vidéo chaque direct que vous regardez maintenant likez et vous partagez c'est votre façon de me supporter là bas c'est que si je vous demandez de faire le don que donner 5 euros vous allez ça. Conserver... likez partagez point voilà tu like quand on doit faire un peu mal, tu te reposes deux minutes. Après, quand ça te plaît, quand elle parle, ça te plaît comme ça, là, tu fais encore. Ti, 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 ti. Voilà, il faut te laisser aller sur le téléphone. Tu as compris? Il faut chercher ton tabouret. Donc, tu vas te rendre compte que la sensation que tu ressens très souvent quand tu m'écoutes. Hein? Bonsoir, la reine Lydie. Bonsoir, la reine Sylviane. Bonsoir. Flora, bonsoir, bonsoir. Cette sensation-là, elle va commencer à être récurrente. Mm -hmm. Et comme tu es habitué dans ta famille, dans tes. avec tes amis, sur les réseaux sociaux, en fait, partout où tu te tournes, on parle toujours des mauvaises choses. Anne, bonjour. Laura, bonjour. Oh voilà, euh, il faut travailler. Pour acheter ta maison, il faut que tu passes 25 ans à payer. Mm -hmm pour payer la voiture il faut que tu payes en quatre ans wow pour payer le, le, le tout dans ta vie le billet d'avion même pour aller au Cameroun il faut cotiser ça tu payes avec la carte de crédit tu rembourses en quatre 5 mois voilà dans, donc tu voilà le système dans lequel tu es et ou bien encore tu as même, tu as même, tu t'es cassé un peu tu as même euh, ouvert un restaurant ou ouais, un tout comme ça c'est chaud les clients n'entrent pas les clients ne viennent pas. Ça, c'est le sys lancing système. Mais quand tu tombes sur mes vidéos, mm -hmm. je commence à te dire que tu mérites l'argent. Tu dis, hein? Tu mérites qu'on achète tes produits tous les jours. Si vous venez de vous connecter, dites-moi bonsoir. Tu ne me dis pas bonsoir, je vais t'enlever du direct. -y. Je vais t'enlever avec mes yeux. Je oh, vois mes yeux comme ça, non? Je comme ça. Non. Ça va t'enlever. Donc, avant de commencer à m'écouter, tu avais, tu avais l'idée de faire des conférences. Tu avais l'idée de faire des formations de coaching, former les gens. Il te que, Ah, qui va venir Qui va venir Tu as acheté la marchandise, tu as laissé dans une des chambres de ta Vanessa. Je ne te vois pas. Tu as compris, Vanessa Je ne te vois pas. Vanessa, c'est qui, même Écris encore bonsoir. Oh, 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 oh. Écris 10 oh. Bonsoir, Ezima. Donc, tu avais un, un système de pensée. C'est ce que, ah, si il fait, qui va venir acheter Bonsoir, la reine Janice. Bonsoir, la reine Noëlla. Si elle vous salue parce que j'ai des poumons avec vous, et vous devez me demander pardon dans ce direct. Vous avez suivi. <laughs> bon, continuons. Ton système de pensée était façonné de telle façon que tu as acheté la marchandise. C'est dans ton, ton deuxième chambre de la maison, non. Tu sais que tu dois poster en ligne. Ton corps pèse pour poster. Tu peux venir passer trois heures, tu regardes mes vidéos. Bonsoir, la reine Larissa. Tu peux faire venir faire trois heures, tu regardes mes vidéos. Tu ne postes pas un produit. Tu ne parles pas de ton produit à quelqu'un. Parce que tu te dis ah, qui va acheter? Est-ce qu'elle peut acheter même mes produits? Souvent en, en disant toi-même le prix de ta marchandise à quelqu'un. Tu peux parler du produit, madame, ça va vous aider, ça va vous faciliter la tâche, ça va vous aider à vous occuper des enfants. Ça va, ça va, ça va. Adams, je mange le chocolat. Hein? Merci si pour le compliment. Je vous ai dit que le chocolat est bon pour la santé. C'est bon pour la beauté. Bonsoir, la reine Amel. J'ai dit que si je ne salue pas quelqu'un, c'est ce qu'on a les problèmes. Il faut qu'il me demande pardon. On va se, on, on va se réconcilier dans le direct. La reine Nana, bonsoir. Reine Ejang, bonsoir. Le chocolat, quand tu manges le chocolat, tu transpires. Hein? Donc tes pores se débouchent. Vous voulez que je donne les vertus du chocolat? Vous voulez... je peux vous vendre le chocolat, hein? Tu passes sur le chocolat maintenant, tu manges. Bonsoir, la reine Emilienne. Vanessa, je ne te vois pas. Tu n'as pas encore ri. Tu as bien ri. Mmh. Bonsoir, vestimentaire. Et t'as mes bonsoirs. Bon, laissons le chocolat. Hein? Parlons de tes produits. <laughs> la reine Laure, tu me dis je vais pas te saluer. Laure, <laughs> c'est même qui Qui te connaît même ici hein? Simo Oh, okay. Tchata Quand la paix est bien, qui a dit ça <laughs> Quand la femme veut manger le chocolat, elle commence à faire des problèmes avec son mari. Tu dis quoi ah, les pépés sont. Ah, quand la paix est bien. La paix ne donne pas le chocolat, ma chérie. Laisse ça. Ne me détournez pas de mon sujet ce soir. Je vous connais. Je vous connais. Vous allez commencer à rire dans vos chambres là-bas. Vos maris vont dire Tu rires avec qui ah, Pardon. Il a même dit là-bas Elle au Burkina. Elle a dit que son mari lui a dit qu'il va acheter le billet pour qu'elle vienne me voir. Vous êtes à trois dans vos couplets. Toi, ton mari et moi, on est à trois dans votre foyer. Hum. Mmh. Mmh. Hum. La reine Yolande, les problèmes, mais quand tu veux mal le chocolat, tu fais les pépés. La réconciliation, ça se fait autour d'une table avec au menu le chocolat. Bonsoir, la reine Irène. Bonsoir, Williams. Pardon, vous voulez me distraire. Les gens là. laissez-moi parler, pardon. Ne venez pas me distraire. Ne me parlez pas de chocolat. Dites-moi seulement bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et moi. Voilà, du quoi, à quoi pour? Dieu, bonsoir. Il hum. donne le chocolat à Tu es une mangeuse de chocolat patentée. Tu as le diplôme de mangeage du chocolat. Tu dis que quoi? Bonsoir, la reine Solène. Brigitte, bonsoir. La reine Brigitte, la reine Ruth. Aïe, <laughs> je cherche encore quelqu'un avec qui fait les problèmes. Voilà, René, c'est même qui, moi, ne connais pas René. Si je ne salue pas quelqu'un ce soir, c'est que la personne a les problèmes avec moi. Mm -hmm. Quand une femme cherche les problèmes, c'est qu'elle veut manger le chocolat. Donc, les hommes, là, ne faites pas comme si vous ne comprenez pas leurs problèmes. Mm -hmm. Bonsoir, la reine Christelle. allez je te veux les problèmes. Oui. Bon, la reine Monique, je ne te veux pas les problèmes. Bonsoir, la reine Monique. Mm -hmm. La reine Noëlla, comment j'affiche je, je, ce que tu fais, tu te plaît hein? Il faut appeler le chien, chien. Aïe, <laughs> ah, yeah, la reine Nana. La reine Tatiana, bonsoir. Viviane, bonsoir. Mm -hmm. Anne Priscille, mangeuse de chocolat. Hey, bonsoir. Wow, <laughs> oh, quand il parle de chocolat, vous voulez me distraire? Laissez-moi, laissez-moi que Vous me dites bonsoir, c'est tout. On m'a dit que mon visage brille. J'ai dit que c'est parce qu'il mange le chocolat. Le chocolat est bien pour la santé. Quand tu manges le chocolat, tu transpires. Donc, ça libère tes pores. Mm -hmm. Bon, qu'est-ce que je disais avant que vous ne me distraire? Mm -hmm. <laughs> bonsoir. La reine Aristide. La reine Sonne, tu veux que pas de mon chocolat? J'ai checké dans la chambre d'hôtel et je vais vous montrer. Moi, le mambo sur le lit. Les gens s'y connaissent que j'aime le chocolat, je vous assure. Voilà le mambo, je suis, tu le mambo sur le lit. J'ai Wanda. <laughs> que les gens s'y connaissent que j'aime le chocolat. <laughs> voilà ça là-bas sur le lit. Je n'ai même pas mangé. Il était tellement rassemblé, assassiné le chocolat. <laughs> le chocolat est bon pour la santé. Ça fait tu ris seule. Tu ris seul. Je vous m'en pas. Voilà le chocolat là-bas. C'est au pied de mon lit là-bas. Ils ont détecté à distance que la femme aime le chocolat. Ils suivent mes directeurs. <laughs> ouais. Vous n'avez pas remarqué que je suis trop joyeuse depuis un certain temps? Avant je vous grondais tout monde me disait non. N'est-ce pas? Il y a mal le chocolat. Prescription médicale. Mm -hmm. Chocolat. <laughs> que tu manges comment? La reine Ruth, tu ne connais pas comment manger le chocolat. Yeah. Yeah. Même en les yeux fermés dans le noir, tu manges, tu trouves la direction où tu manges. Ça va trouver seulement sa direction. Mmh. <laughs> Noël, tu vas m'en voir, tu vas éclater des rires d'abord. Eh? <laughs> Vous êtes folle. <laughs> euh, moi, je mange pas le chocolat en douceur. Je n'aime pas le chocolat doux, pardon. Ils n'aiment pas le chocolat en douceur. Le chocolat doit se manger rapidement. Je ne veux pas dire le mot violent parce que les enfants qui écoutent vont dire :« Maman, ça veut dire quoi On mange le chocolat violemment ?» Mais bon. <laughs> Ariol ne fais plus que vos maris me regardent. Tout, écoutez, vos maris vont me détester. <laughs> C'est la troisième personne de ce couple. Bonsoir les maris. Bonsoir les maris de mes là Bonsoir. Bonsoir. Pardon les femmes, c'est si quand vous mangez le chocolat, ne mettez pas, ma, ne mettez pas mes directes pendant que vous mangez le chocolat. Pardon. Oh là là. Il dit Encore la femme, si Pardon, oh laissez-moi chercher le riz seul ici là. Oh là là. Non, 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 non. Le chocolat n'est pas là. Comment C'est quoi avec vous vous avez fait paraître tellement le chocolat que le chocolat est venu. Mmh. Mmh. René, bonjour. Bonjour. Bonjour, je te connais. Alors, il n'y a pas de problème. Zéro, j'ai dit qu'il y a des gens que si elles ne te saluent pas, c'est que tu as des problèmes avec moi. Tu dois me demander pardon. Et c'était pour vous dire qu'il y a les femmes que quand elles ne répondent pas, quand elles font les problèmes à la maison, c'est qu'elles veulent manger le chocolat. Donc, si tu es son mari, ne fais pas comme si tu ignores. Quand la femme te fait les problèmes, elle veut manger le chocolat. Vous avez vu qu'il y a 20 ans, j'étais très nerveuse. Hein? C'était déficit, carence chocolatière dans mon sang. Il y avait une carence de chocolat. Mm -hmm. Carence. Moi, j'aime le chocolat bien servi, là, oui. Mm -hmm. Pourquoi je vous parle de chocolat? Hé! Hey. Hey. Vanessa, tu n'es pas pardonné. Je ne te pardonne pas. Mm -hmm. <laughs> aïe, aïe, aïe. <laughs> ouais, le roi, elle Pourquoi tu viens toujours dans le direct là? Eve, présente-moi présente à ta femme, pardon. Montre le direct à ta femme. Tu as compris? Comme ça qu'on va faire notre lit, ici, là. Elle va aller te montrer les goûts de chocolat. Pardon. Tu viens toujours au milieu des femmes, ils se lancent à quatre choses. Les autres hommes regardent ils ne parlent pas. Mm -hmm. Hey, le jus de raisin. aïe hey, aïe. Vous m'avez gagné avec vous, pour moi ici là. Les codages codés. Ton ex-chocolat était tellement jaloux de toi, Ré Lumière, qui m'a demandé de choisir. ah Et qui ne veut pas que je te suive. Hey! <laughs> Mamie, tu as laissé le chocolat, hein. Son chocolat n'était pas bien, c'était pas le bon chocolat. Ma chérie. Uh -uh, ouais, eh, hey, Seigneur Jésus, hey, parce qu'il y a enfants chez je... vous. Donc, hey, je ne connais pour moi être grossière, elle. ça me fait bizarre. <laughs> Ma chérie, dont le chocolat elle était bien, hein. Le genre de fusion avait bien mis ça au congélateur. C'était bien dû. Hein? Pas le chocolat que tu manges sous le soleil de Douala, là, Que c'est mou, hein, Chocolat congelé. Solem, tu as bien dit. Maëlise a bien parlé. C'était pas un bon chocolat. Euh, bon, la reine va ça t'est pardonné. <laughs> Lovely, c'est mon montagne sur le chocolat, ma chérie. J'ai fait le masque de chocolat. J'ai fait le bain d'huile de chocolat. J'ai fait tout avec le chocolat. C'était pas bon, le bon chocolat, ma chérie. C'est pour ça que tu as envie de laisser. Il y a les gens de chocolat que, en parlant, que tu dis que non, je ne veux pas, ah, oh, ma chérie, que tu es en train de manger. Que tes, tes lèvres sont, tu es sale partout comme ça, là, c'est quoi le chocolat? Voilà. C'est comme ça. Affaire de chocolat, congelé froid, dur. Tu du crois que ça, ça fait une croche? Mm -hmm. Jamais Yolande, elle n'a pas laissé le chocolat pour moi. Le chocolat ne lui plaisait pas. C'était le prétexte. <laughs> moi, voici, il fait le direct à 20 je parle de chocolat. Qu'est-ce que vous a fait? Hein? Euh... Bon, Zao, je te pardonne, ça va. Tu as Réconcilions-nous alors. Vous êtes trop sainte dans le direct ici. Vous faites comme si vous ne mangez pas le chocolat. Je vous ai dit qu'aucune femme ne doit me suivre. Elle va me dire que ça fait, ça fait 8 ans qu'elle n'a pas mangé le chocolat. Je crois qu'on a mis le chocolat à la boutique. Pourquoi uh -huh. Après 6 ans, oh. On ne pleure pas le genre là et c'était un jeune. Mais bon, papy, a... non, non, mamie. Mm -mm. Même s'il était jeune. Tu sais qu'il y a jeune et jeune. Il y a jeune et jeune. Mm -hmm. jeune, et jeune. <laughs> Les gars, que vos maris sont loin là-haut. Oh, désolé pour vous. <laughs> Il y a une qui est venu, me dit, ça fait cinq ans que son chocolat est parti. Hein? Hein? <laughs> La reine viens si tu connais. Je vous avais dit de créer vos faux comptes. Vous voyez vos enfants, ils vous créent les faux comptes. Vous me suivez, vous commentez librement. Quand on dit chocolat, vous avez dit chocolat dur. Tu dis chocolat noir. Oui. Ah, Ludivine, tu n'as pas le chocolat, comment Le kit attirant, c'est à quoi hum Le kit attirant, c'est à quoi Il y a les hormones qui sont relâchées quand tu manges le chocolat. Parce qu'il y a les cris qui sont émis à partir. Tu vois, tu, quand tu vas tu fais. Mm, 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 Mmh, mmh, tu vois un peu non ça libère ta gauche ça libère ton chakra de la gauche on va mélanger tout la spiritualité, le chocolat, tout 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 on va mélanger ça quand tu manges le chocolat tu dois t'exprimer oui soyez pas silencieuse quand vous mangez le chocolat Il y a une autre chose que quand elle mange, ça me fait. Il y a le, les macarons. Une dame est quittée. Elle m'a suivi. J'ai parlé du, des macarons dans le direct. Elle, est, elle venait de Paris. Elle a acheté les macarons. Elle a gardé. Elle est venue dans mon bureau le jour. là Elle dit que je vais voir que la reine physiquement, moi-même, je vais la voir. Elle m'a apporté les macarons. Ma fmide. J'ai bavardé sur les macarons là-haut. Je croque en concert. Elle fait. Mmh! Mmh, 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 mmh. Après quoi que le chocolat... Ouh! C'est comme ça qu'elle m'a le chocolat. Quand c'est bon, il faut exprimer. Mm -hmm. Ouais, le mari de Ariolé. Monsieur est à mes pardon, sortez de ce direct, s'il vous plaît. <laughs> Soleil Maïlis, tu connais. Mm -hmm. Le roi est quand on dit qu'on ne parle plus. On n'écrit même pas qu'on ne parle plus. Mm -hmm. Yeah! <laughs> oh, oh my god! Il faut pas qu'elle Oh my god. Que ton mari, il va découvrir, il n'est pas bête. Hey. Hey, René Fermané. masque, masque à la, hey Seigneur Jésus, excusez-moi. Restons dans la phase une. Phase une, ok? Quand tu manges le chocolat, restons d'abord dans la phase là, d'accord Quand tu manges le chocolat, quand c'est bon, tu dois dire que c'est bon. Je n'arrive pas à croire que je sois en train de parler de ça, mais parlons seulement. Apparemment, ça plaît à beaucoup de personnes. Mm -hmm. Sandra, tu as bien dit, quand on aime, il faut exprimer. Mm? C'est ici que tu nous as chamés avec les macarons, non <laughs> Oh my god. Oh, <laughs> Madame, pardon, laisse-moi, je vous dis comment on exprime. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous, hein, comme ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé, hein, le jour où il faut manger, vous allez commencer à faire comme les villageoises, les villageoises de Fromla. Hein? Non, 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 non. Non, non, ma chérie. C'est ça qui va faire que ton chocolat ne peut même pas penser ou rêver. Je vous avais expliqué le jour-là que... Euh, tu es comme le vin. Hum? Tu vas manger le chocolat avec le vin. Ouf. Tu manges comme ça, après tu potes, tu bois un peu, ça descend. Tu fais... Mmh. Hey, vous devez vous entraîner sur les bruits que vous faites quand vous mangez le chocolat. Hum? Si vous me suivez, dites et dites, 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 je suis là. Dites-moi alors que vous êtes là. Pour On continue la conversation chocolatière. Uh -huh. Solène, je sens que tu aimes beaucoup le chocolat. Toi, là, il faut que parle avec ta mère. Je crois que tu aimes bien le chocolat. Mm -hmm. Je disais que le manger le chocolat, comme ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé le chocolat, là. Eh? Tu peux ne pas avoir mangé le chocolat, ça fait longtemps. Mais quand toi, tu manges le chocolat, tu achètes le meilleur chocolat sur le marché. Pas le mambo, hein. Le mambo, là, c'est... Non, 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 non. Le chocolat belge, la donc ce qui vient net de Bengla Tu vois, non Et je vous avais dit l'autre jour que l'âge ne compte pas. C'est l'énergie. Parce que le chocolat aime l'énergie qui va l'envelopper. Tu comprends L'énergie. Il n'y a pas de déficit de chocolat ici de moi. Hein? Que non, c'est un chocolat pour, pour cinq femmes. Non, cinq femmes se discutent d'un chocolat, ma chérie, laissez-moi les bêtises là. Laissez les statistiques à la con. Un chocolat pour toi. <laughs> la reine Monique. <laughs> tu as le permis de manger. Va manger. Faut manger. Tu as le buffet. Tu as le buffet. Il faut manger. Chocolat suisse. Oui. Et si tu ne conditionnes pas ton esprit, même si tu achètes le chocolat, le lendemain tu vas ouvrir la porte qu'on aura volé le chocolat parce que ton esprit ne comprend pas bien que le chocolat là, hein, c'est ton énergie qui enveloppe le chocolat. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la femme est un récepteur, c'est Ce pas pour rien que c'est la femme qui porte le bébé dans son ventre parce que tu as une énergie qui enveloppe le chocolat. Hum? Voilà. Maintenant, tu dois croire que le chocolat, là, lui-même, quand il te voit, déjà, j'ai précisé l'autre jour que, avec le temps, tu as encore plus de goût. Avec le temps, tu deviens comme. Parce que, parfois, c'est des personnes que, quand tu acheté un chocolat depuis, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que tu as acheté le chocolat, tu dis Ah Ah C'est qu'il y a encore quoi Non, ma chérie Compte que c'est, on s'en a porté le, le, vin, on a mis dans un, dans une cave. 20 ans plus tard, on a retiré. Ma chérie, le goût sur ça, C'est comme ça, souvent, que y a les pédés. Tu es marié, hein, mais tu as un chocolat de dehors, un petit chocolat de dehors, là, qui te poursuit. Tu dis, ah, il poursuit quoi, six mois? Ma chérie, il a détecté le vin. Il a détecté le vin. <laughs> Toi-même, tu ne connais pas le vin que tu es. Vous vous négligez. J'ai déjà accouché quatre enfants. Dit, pardon, qui t'avait tes bêtises là Qui t'avait ça hum. Et un truc sur le corps de la femme, c'est que quand tu vas, quand tu es enceinte, quand tu tombes enceinte, le processus de la grossesse fait, les hormones font que ta peau s'élargit, ta peau stretch ça se tire. Maintenant, quand, donc ce qui fait que toutes les parties de ton corps, hum, même le siège du chocolat, s'élargit. Maintenant, quand tu finis et que tu as donné naissance, le roi est vêtu, tu as dit que tu ne parlais pas, non? Hein? fais ta bouffe. Quand tu as fini, le processus qui se passe, c'est quoi? Le corps, maintenant, rétrécit. La peau rétrécit. Ça commence à rétrécir. Ce qui fait que tu n'as rien à envier à une jeune fille. Moi, il vous dit ça tous les jours. Parce que vous vous, vous négligez. Et quand tu te regarde comme ça, je qu'il y a souvent les jeunes chocolats qui te regardent. Hein. Toi, tu l'as dans ta tête, tu te dis, ah, les enfants là, non ma chérie. Peut-être l'enfant ne te voit pas comme une. Il ne te voit pas comme une maman. C'est toi dans ta tête là. Après, tu vas dire que je n'ai pas mangé, je chocolat depuis 6 ans. Je n'ai pas mangé, le chocolat depuis 7 ans. Et tu dois faire le genre que le jour où tu attrapes le chocolat, tu manges. Le chocolat te poursuit après. Pardon, maman. On achète encore ça où? Je vais encore. On m'a jamais donné le genre chocolat, si. Hmm. aïe. Ah, yeah. mmh. Je dois sortir les cours, les, 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 one-on-one. On one. Je cherche les maîtresses chocolatières, là, vous venez enseigner. Oui, je sais qu'il y a les maîtresses parmi vous, vous vous cachez. Vous vous cachez comme ça, Cachez-vous bien. Je comprends que la majorité, ici, là, vous doutez de ce qu'il y a en vous. Ai, je suis tellement tentée de parler librement, mais je ne dois pas le faire. On va toujours, on va seulement naviguer comme ça. Peu importe les, 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 vos chocolats qui vont tomber sur ma vidéo. Donc, vous devez comprendre que affaire de chocolat, c'est affaire d'énergie. Ok? C'est à fait d'énergie. Tu peux être là comme ça, là. Tu te dis que, wow, oh, moi, je suis déjà fini. Wow, oh, je suis déjà. Bon, attendez. J'ai une petite histoire pour vous. Ça va un peu vous faire rire. <rire> bon, c'est une histoire qu'on m'a racontée quand j'avais peut-être 15 ans. Donc, on a dit donc qu'il y avait un groupe de bandits. Je suis que vous connaissez ça. C'est des histoires de fous. De, des histoires de fous. De, fou. Mais bon, moi, ça m'a toujours, toujours fait rire. Donc, euh, il y avait une maman, une maman Elle avait sa mère à la maison Et elle avait ses enfants Donc il y avait trois générations La grand-mère, la mère, les petits-enfants Et le grand-père était déjà mort mm -hmm. Ce qui fait que Un jour euh, Il y a donc des cambrioleurs Qui sont arrivés à la maison Ils ont dit voilà On va violer toutes les femmes de la maison, de la concession C'est une histoire trop bête ok Mais bon, ça, moi ça me fait rire on va violer toutes les femmes de la concession aussi. Voilà maintenant les, les enfants disent que non, s'il vous plaît, violez nous seulement. Pardon, laissez notre grand mère, elle est vieille. La grand mère sur derrière. Elle dit hey arrêtez ça, arrêtez ça. Pourquoi que depuis que votre grand père, grand père moi je fais comment? Elle comment, c'est pas moi. Excusez-moi. Oh my God. Ouais, mais tu commandes, te... je vais te chasser de mon direct. <laughs> en fait, l'image que j'ai de moi est, je suis le genre de mater que vous allez me voir à 70 ans, je vais manger le chocolat. <laughs> 80, je vais manger le chocolat. Si le pâté ne veut pas manger, je vais manger le chocolat. <laughs> <laughs> Excusez-moi. <laughs> oh my god. Je vois les femmes de 40 ans. Ah, je sais, il a fini. Et c'est fini. Tu es fini que tu as commencé quand Hein Tu as commencé quand Le temps pour manger vraiment le chocolat, c'est quand il n'y a plus les enfants à la maison pour t'embêter. Vous savez qu'il y a les petits enfants qui font comme les, 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 les petits vampires là. Hein c'est quand tu veux mal le chocolat, tu dis « Maman, maman !» Mais c'est que j'ai d'enfant ça. Voilà <laughs> On te voit à 70 ans, tu es pimpante. Pimpante. Et si ton, bataille, si ton chocolat fait l'erreur qu'il est d'ail, hein, tu le remplaces avec un chocolat qui est encore plus, plus dur. Vous parlez même de quoi et il y a une énergie que tu peux dégager qui va faire que soit ton chocolat va vouloir manger le chocolat tous les jours, soit ton chocolat va espacer les jours. Soit il va vouloir, donc, sache que, voici ton test, ma chérie, je te pose juste la question. Est-ce que quand il faut manger le chocolat, c'est toujours toi qui demande ou c'est le chocolat qui demande à être mangé? Réponds-moi. Si c'est toi qui poursuit toujours le chocolat, ma chérie, c'est qu'il y a un problème dans ton énergie. Les gens qui n'ont jamais commenté, mon direct, vous avez commenté aujourd'hui. Je vais vous voir. Je veux vous voir aujourd'hui. Hey, 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 hey. Oyo! Oh, ton chocolat, Jomo, ton chocolat merci messier. <laughs> Bonsoir, le chocolat de la reine Jomo. Il faut, voilà, donne le chocolat ce soir, pardon. Tu l'as fait, faut qu'elle regrette, elle doit regretter d'être née. <laughs> il faut faire la vengeance. <laughs> Excusez-moi. Aïe, ah, yeah, 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 yeah. Voilà, c'est bon, c'est le chocolat qui demande. Voilà, c'est bon. Mon fils dit, oh, comme maman demain, je garder le chocolat. Oh my god. D'accord, c'est le chocolat qui demande, c'est bon. C'est le chocolat qui cherche toujours à manger. Et si pour une fois, c'est toi aussi qui peut-être demander? Hmm? Si pour une fois, tu vois quand le, tu calcules bien le chocolat, il vient, il fait comme s'il veut manger le chocolat. Tu sais, il mange, il mange, il mange. Quand il finit. Tu te lèves, tu dis que je veux aussi manger le chocolat. Il dit que, hey, c'est comment? D'habitude, quand étrange, je te sers, seulement 100 grammes, tu es rassassé, tu non, c'est comment? Tu dis que je, beau, tu as manger, non, moi aussi mon chocolat maintenant. Mm -hmm. Tu vas voir que ça va, ça va mettre... Ça va faire la tête du chocolat va bah, tourner comme ça là. <laughs> Ah, yeah, s'il vous plaît. N'attendez pas toujours que ce chocolat qui demande. Même si le chocolat et toi, vous n'avez pas fait depuis. Parce que je sais qu'il y a, les, y a les, les femmes que vos chocolats, là, vous, vous n'avez pas mangé de chocolat depuis. Hein? Ah, ah, mamie, so, elle dit que le chocolat demande tellement que tu n'as pas le temps. <laughs> non, là, c'est très bon, c'est super. Hé, hey, le roi Hervé et quand elle le fait, elle le fait brutalement. <laughs> ouais, Seigneur. Alliance, tu as honte de demander. demander. Ah, aïe, 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 aïe. Tu as passé ta jeunesse, ma chérie. Tu n'as pas volé le chocolat dans les endroits interdits. Hein, ma chérie? Hum, aïe, 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 aïe. Les endroits les plus interdits de la, de la ville. Est-ce que vous savez que moi, j'étais tellement expert dans le mangement de chocolat que... Je ne savais pas qu'en Angleterre, il est interdit de manger le chocolat dans sa propre voiture. Donc, tu, on peut te poursuivre. On t'attrape à te manger le chocolat. On le policier, Ha ha, est-ce que ça fait moi? Je n'ai pas fait la prison pour ça. Je sais que vos oreilles vont demander. Oh, oh my God. Il y a les endroits que c'est quand tu arrives là-bas. Il dit que, ouvre, ouvre le mambo, là on oh va ma manger ça maintenant. Que mambo sort. Oui, oui, oui. Il ne blague pas. Le policier t'arrête en Angleterre, ma chérie. Là, c'est... Tu, tu euh, on peut quoi? On peut te poursuivre pour ça. Parce qu'il y avait les endroits les plus fous. En fait, c'est comme si ma tête cherchait seulement. Ok, on n'a pas encore mangé. Oula. Quand et les amantes. Oui, oui, oui. On le mange pour le chocolat dans la voiture. Oui, oui, oui. <laughs> oh, my God. La Donnalyn Vanessa, tu ne peux pas savoir. <laughs> Ouh. Tu as eu le même problème dans la voiture. Tatiana. tienne. Ouais, j'ai envie. De... J'ai envie de rire. Ah. Et puis, Fanny, c'est mieux. Les chocolats, ils sont bons jusqu'à. <laughs> oh my God. Oh Seigneur. Vous savez, euh, je pense que c'est l'une des. des, des... Oh. Moi, je vis pour manger manger la nourriture et manger le chocolat. Voilà les deux choses que j'aime le plus. dans ma... J'aime manger la nourriture, j'aime dormir et j'aime manger le chocolat. J'hésite à dormir et manger le chocolat. Mais moi, la nourriture, là, d'abord, j'aime manger ma nourriture. Moi, j'aime manger. <laughs> Deuxième chose, j'aime dormir. Dormir et, et le chocolat, je ne sais pas quel je vais choisir. Et c'est l'un des. des, des si, tu, si, tu, si le moment de manger le chocolat n'est pas un truc que tu aimes faire avec euh, ton chocolat, il faut vraiment que tu travailles là-dessus, dans ton énergie surtout. Très important. C'est un peu comme si tu traversais la vie. Oui. Parce qu'il y a tellement de bonnes choses. C'est un peu comme si tu traversais. Il y a tellement de bonnes choses. Si il y a tellement, de bonnes choses. tellement de sensations. Il y a des chocolats qui, qui te prennent tes papilles ici derrière. Ça touche. Il y a le chocolat que quand tu manges, ça frappe qui est ici derrière. En tout cas, les hommes vous diront. Il y a un chocolat que quand les hommes mangent, il te dit que ça tape ici derrière, je ne sais pas où ça tape. <laughs> oh, oh, oh Seigneur. Il y en a eu plusieurs fois où le chocolat m'a dit que ça tape ici derrière. En tout cas, le roi il m'a confirmé. <laughs> il dit que ça tape ici derrière sa tête. <laughs> oh Seigneur. <laughs> Aïe. Ah, yeah. C'est... C'est... Je pense même qu'un couple qui mange bien le chocolat a même plus d'abondance et d'harmonie. Si le chocolat ne connaît pas le ma chérie, apprends à ton chocolat. C'est pour ça qu'elle dit que toi, l'anga, tu es, le, tu es le coach. Hey, Laura Eve. Ça va, parle. On te donne le on te donne le gâteau. Parle, pardon, papa. Tu as le feu, vert parle. Écoutez, il y a les chocolats que je suis sûr que vous mangez depuis 10 ans. Mais vous devez maintenant vous ouvrir parce que il y a les clés dans ton, dans ton corps là que le chocolat doit ouvrir, ma chérie. Le chocolat doit ouvrir ça. Et quand il ouvre, tu vas voir que tu passes d'un degré d'épanouissement à un autre. Tu passes un degré. C'est comme si ça relâchait. Des hormones dans ton corps. Pas le genre de chocolat que tu manges par devoir. Mmh, mm. Mais le genre de chocolat que tu manges toi-même, tu es impliqué dans la chose. Tu as mangé le chocolat, tu aimes le chocolat, même plus que le chocolat là lui-même. Iwanda. Mais d'habitude, c'est moi qui aime. Comment est-ce qu'elle aime plus que moi Ouais, ma chérie. Tu cries, tu cries, tu cries, tu cries. Après, toi-même, tu touches le chocolat. Oui. C'est ça. Et je parle d'un point de vue d'une perspective bamileke et euh, notre, notre façon dont on a été élevé on ne parle pas trop de chocolat même avec nos enfants moi euh, <coughs> quand il fallait même parler d'abord de quand il pleut quand il y a les, les, les soldats anglais là aux Pays-Bas quand il fallait parler de ça avec mon propre enfant, ça faisait bizarre. Mais l'enfant était tellement relax. Je Est-ce que l'enfant, c'est même mon enfant. L'enfant était tellement relax par rapport à ça. Alors que moi, mon époux était tellement frustré par rapport à ça. Donc, c'est là que je comprends que de génération en génération, il y a des libérations qui s'opèrent. Maintenant, c'est tellement tabou que si tu avais ton chocolat depuis un certain nombre d'années, vous aviez des enfants la routine, euh, c'est un peu comme si tu n'as plus, tu t'attends plus à quelque chose. N'attends pas que ce soit lui qui fasse. Toi même tu dois anticiper les choses. Parce que pas vous mentir, une femme qui a bien mangé le chocolat, ma chérie, la bonne humeur de ça, eh. oh. même un homme, même l'homme, quand un homme rencontre une petite, une petite là, parfois tu vas savoir ton chocolat. S'il y a une petite dehors qui tourne sa tête, les perroquets, il est content, il est busy, content. Ça, ça peut se passer avec toi. Et je dis bien encore, ça peut commencer par ton, ta propre énergie à toi la femme. Ta propre énergie. Donc le truc c'est que tu dois d'abord t'ouvrir. Et beaucoup de femmes se bloquent par rapport au chocolat parce que il y a un problème de manque de confiance en soi. Il y a un problème de OK, il y a eu à une époque il m'avait trompé, ma chérie. Peut-être à l'époque là ça s'est passé parce que toi tu n'étais pas émotionnellement disponible. Première raison. Deuxième raison, peut-être, l'ennemi aussi calcule beaucoup vos relations. Ça peut être une période, peut-être, où tu es en train d'accoucher, ou bien tu, es, tu as une grossesse qui est difficile, ou bien tu, es, tu viens d'accoucher, tu es à l'hôpital. Ce qui fait que le chocolat, c'est que là, là où je là, ça fait même un, un mois on de manger. C'est la période là que l'ennemi envoie alors Jésébel chocolatière. Tu vois un peu? Et c'est là. Que il est vulnérable et pas parfois il mange, parfois il mange pas, mais juste, ne serait-ce que le fait que émotionnellement, parce que parfois pour les femmes, c'est ça qui fait mal le plus. Juste le fait de savoir que il s'est confié à une autre personne, le fait de savoir qu'une autre personne lui a fait euh, 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 la rendu heureux, Ou la fait sourire, ou bien la fait se sentir bien, ou bien le fait de savoir qu'il est parti parler, euh, il avait du plaisir à parler à une autre personne, C'est ça qui fait mal. Maintenant, quand toi, tu, euh, tu commences à comprendre que ça dépend, en fait, c'est en fonction de ton énergie. Et si tu regardes bien dans tes pensées, avant que le, le, le monsieur ne peut-être ne considère un chocolat à l'extérieur, je suis sûre que tu te disais que, ah, ah, il peut même rester avec moi. Pourquoi Je suis sûre qu'il a une petite idée. Je sais pas, il y a toujours une pensée. C'est nous qui attirons nos choses. Maintenant, quand tu veux restaurer ça, aime-toi d'abord. Il y a une énergie qui commence à émaner de toi. Tu vas voir qu'il va rentrer un peu plus tôt à la maison. Tu vas voir que euh, <laughs> il va même te dire que voilà, il y a eu des, il y avait, avant tu étais, avant tu étais très, il va te dire avant peut-être qu'avant tu étais très dur ou avant tu grondais beaucoup. Il va te dire mais pourquoi est-ce que tu es maintenant heureuse? Et tu vas voir que l'énergie positive qui va émaner de toi va faire qu'il aura un peu plus envie de rentrer à la maison et d'être à côté de toi. Il y en a parmi vous, vos chocolats n'aiment pas vraiment votre compagnie. Parce que il y a une énergie d'accusation qui émane de toi. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça Et c'est, écoutez, c'est tellement subtil. Celles qui comprennent, comprennent ce que je suis en train de dire. Avec le temps, parce que il n'y a que toi qui connais ton chocolat. La cheese de Dieu ne connaît pas ton chocolat comme toi. Parce qu'elle ne voit que ses beaux jours. Il la contacte quand il est. Elle ne connaît pas que. Il, il, il ronfle quand il dort. Ou bien elle ne connaît pas que. Euh, euh, quand il s'écale son, il prend ses caleçons, il jette comme ça là dans la douche. C'est toi qui connais tout ça de ton, de ton chocolat. Maintenant. Connaissant cela, tu vas apprendre à t'aimer et à aimer ton chocolat. Je te parle d'énergie. Tu, tu vas apprendre à aimer et accepter. Genre, ok, il a lancé ses caleçons, ses chaussettes, n'importe comment à la maison. Ça va, c'est pas grave, voilà. Avant, tu criais, ouais, pourquoi tu as mis ça ici? Et tu dis ça, oh, voilà, tu as oublié d'acheter le pain encore. Voilà, tu es parti au supermarché, tu as oublié de. On se connaît. On se connaît, On se. Moi, je parle aux mamans qui sont légitimement mariées à leur chocolat. Parce que quand tu découvres une faute du chocolat, tu ne vas pas seulement jeter le chocolat pour remplacer. Parce que le prochain chocolat, là, quand ça va se gâter, ça va faire un truc. Tu vas encore jeter. Donc tu essaies parfois de comprendre que est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui a provoqué? Et la plupart du temps, on est parfois surmené par les problèmes du boulot, les enfants. La maison, si bien qu'on n'a pas le temps de créer l'espace pour le chocolat. Et pour être honnête avec vous, quand tu commences à comprendre cette partie-ci, tu vas voir que tu vas parfois aimer passer du temps avec ton chocolat. Genre les compliments que vous ne vous faisiez plus avant, vous allez commencer à vous les faire. Ce qui fait que manger le chocolat, ce ne sera plus seulement là de déguster le chocolat, mais ce sera quelque chose de plus profond et de plus intime. Et la plupart du temps, ça va guérir parce que il y en a parmi vous. Vous êtes mariés à vos chocolats. Vous avez des années de blessures. Certains de ces blessures sont provoquées par votre chocolat. Et vous savez, le chocolat et les femmes ne réfléchissent pas de la même façon. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Quand le chocolat te dit que, pardonne-moi. Pour lui, quand tu dis que lui était pardonné, il sait que tu as oublié. Nous, les femmes là, on pardonne comment? demain, quand il fait quelque chose. Oui, oui, c'est, pour ça que tu étais parti voir l'autre femme, là-bas pas dehors. Mais chérie, tu m'as pardonné, non. La semaine passée, tu m'as dit que tu pardonnais, non. Oui, je t'ai pardonné, mais, mais. Deux semaines plus tard. Oui, 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 c'est pour ça que tu étais pas, oui, oui, c'est pour ça, oui, je savais. Je, je sais que vous êtes des saintes, ni touches. Moi, je sais que c'est comme ça qu'elle fait. Tu vais revenir sur ce que tu as J'ai pardonné, mais c'est pas parti. Ma cassette-là, se rappelle trop vite. <laughs> et sans le savoir c'est quelque chose qui repousse le chocolat Dieu a mis des énergies et des hormones dans le chocolat et dans les femmes qui sont différentes et nous on a tendance à toujours appuyer encore les mêmes choses à appuyer 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 alors que les chocolats eux ils ont tendance à laisser passer laisser passer même si tu pardonnes avec la science choco, quand la science choco va finir, après tu vas encore te rappeler. Maintenant, tu dois t'entraîner, tu, tu vas apprendre à libérer, à ne pas prendre personnellement les choses que le chocolat fait. Parce que parfois le chocolat fait même sans réfléchir. Il ne se rappelle même pas qu'il a fait un truc qui t'a fait mal. -être. Ce qui fait que quand il va demander pardon, écoutez, votre énergie parle plus que toute autre chose. C'est ton énergie qui va faire qu'il va vouloir venir à côté de toi le plus souvent. C'est ton énergie qui va faire que tu vas voir le mot de passe qu'il y avait sur le téléphone là. Il va enlever ça seul, il va te dire, il va venir te dire que, mamie, voilà le code de mon téléphone. Et même souvent, quand tu recours au téléphone, tu vois des demandes qu'il n'y a même rien qui cache dans le téléphone. Il n'est caché rien dans le téléphone. Hum. Chocolat, chocolat, donne-moi ton mot de passe. <laughs> Noël, c'est trop facile. Je te connais pas, c'est trop facile à me dire. Chocolat. Souvent hum. reste comme ça là. Un truc que tu as fait depuis ça vient de ma tête. On en il dit, est en train de manger. On comment ça me fâcher Chocolat dit que c'est encore quoi, non? Je dis que tu te rappelles à 1900 quand tu avais fait tes choses, non? Hein? dis mais tu, tu, ça saute d'où? <laughs> non, il sait que c'est seulement moi. C'est seulement moi qui fais ça. Maintenant, ça je vous en parle parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler dans mon énergie. Et euh, surtout pour celles qui sont en train de dire, OK, je n'ai pas de chocolat, je, je veux attirer mon chocolat. Quand tu vas commencer à libérer ça dans tes vibrations, tu vas voir que quand le chocolat... Pour certains d'entre vous, ce n'est pas que vous n'attirez pas le chocolat. Hein. Parfois, le chocolat vient à côté de toi. Il arrive même pour vous, ça bouche pour te dire que je veux que tu me manges. Jusqu'à finalement, il part. Parfois, le tour de toi, il tourne, il tourne depuis. Tu sais que le chocolat, là, veut que tu le manges. Il ne dit rien. Il tourne, il tourne, il vient, il part. Il vient, il part. Il vient, il part. Il vient, il part. Parce que ton énergie. C'est pour ça nous, souvent qu'il y a des chocolats qui viennent, ils te draguent. Tu acceptes. Après, pas. Parce que quand tu as accepté, ton énergie a changé. Ton énergie a changé. C'est pour ça que tu as ce jour chocolat qui vient après il disparaître. Il vient, vous, vous, une semaine, vous sortez ensemble, tout est bien. Quand il part, il t'oublie. Quand tu es dépassé, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ton énergie n'était pas stable. L'affaire de demander pardon, hein, tout ça, c'est dans l'énergie. Ma chérie. Quand tu vas commencer à descendre de tes barrières, à t'aimer, à te valoriser, à t'aimer, quand je parle d'aimer, la façon dont je me vois a tellement changé durant les 24 derniers mois. Et ça fait qu'il y a des peurs qui sont descendues. Genre, je mérite la stabilité avec un chocolat. Je mérite qu'un chocolat m'aime. Parce que moi-même, je m'aime. Je suis belle. Il y en a parmi vous, vous ne croyez pas que vous êtes belle. Sérieusement, vous ne pensez pas que vous êtes belle. Ce qui fait que quand un chocolat vient autour, tu dis, ah, ce qui n'est pas, il dit que quand le chocolat te dit même que tu es belle, tu dis, ah, ce qui me manque. Donc, dans ton fait intérieur, tu ne penses pas que tu es belle. Ce qui fait que ça met une instabilité dans ton énergie. Tu manges une robe comme ça, là. Un chocolat commence à te regarder. Euh, il il te regarde par admiration, hein. Toi, tu m'as dit, il me regarde quoi, hein? On m'a dit que les hommes qui sont comme ça, hein, dans ta tête, et c'est une énergie. Et cette énergie là, ça, 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 ça se reflète, parce qu'on émet tout le temps des ondes, on émet des ondes. Ce qui fait que le, 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 le chocolat, quand il arrive à côté de toi, supposons peut-être que tu es la banquière qui le reçoit. Il est là dans le bureau avec toi, il voit, tu sens bon. Ou oh, madame, vous sentez bon. Excusez-moi madame, mais vous sentez très bon. Et quand il est entré d'abord, dès que tu l'as vu, tu as trouvé qu'il était particulièrement qu mignon. Like, ouf, ouf, ouf. Mm. Et quand le bon chocolat que tu as trouvé bon, te complimente, blocage, tac. Le gars de chocolat, cela ne peut pas m'aimer. Comment il peut trouver que sent bon? Et il dit ça avait un nez tellement flatteur. Du coup, tu te humbles pas. Merci monsieur. On lui dit, oh c'est gentil, merci monsieur. D'ailleurs, j'ai pensé aussi que vous avez vous sentiez bon quand vous êtes arrivé, mais bon après j'étais un peu prise par la procédure. Vous, vous sentez bon monsieur? Tu vois la différence? Mais hé hé, le roi Hervé. Donc, supposons dans le, le premier cas de figure, tu réponds sèchement. Ce beau chocolat que tu trouves beau, qui lui-même est ancré, il t'a trouvé belle, il prend son courage, il te complimente, tu mets le mur. Tac! Dès qu'il va sortir, là, il va partir. Hein. Après, tu vas dire, je n'attire jamais les chocolats. Supposons peut-être que tu, as, tu, as, tu, tu es un peu potelé, tu es un peu... Supposons, on va dire en bon français, tu es, tu es grosse. Et croyez-moi, il y a des chocolats minces qui aiment les femmes grosses. Des chocolats minces avec les plaquettes de chocolat qui aiment les femmes grosses. Donc, c'est son goût là-bas. C'est là-bas qu'il meurt. Voilà. René Femma, tu as bien parlé. L'autre, là aussi. Quand il parle, tu te dis, ah, ce que la dame a dit, ça m'a dit femme depuis ce matin. Et il y en a parmi vous, on vous a tellement fait mal que quand le chocolat arrive, il est même sincère. Donc, dans ta tête, qu'est-ce qu'un homme beau, comment il est mignon, comme il est cintré, comment est-ce qu'il peut aimer une femme comme moi? moi je suis grosse, regarde-moi. Non, 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 qui me dis ça seulement pour me flatter. Tu me dis ça seulement pour que je lui donne. Pour que je mette la signature dont il a besoin. Ma chérie. Est-ce que tu sais qu'il y a les chocolats qui sont souvent venus derrière certaines femmes parce qu'il cherchaient quelque chose Il a arrivé la Belle calée. Hein? Même s'il cherche quelque chose derrière toi, ma chérie, laisse-vient chercher. T'as qu'à changer. Il vient chercher les papiers, laisse-les chercher, il va arriver à caler. <laughs> Dieu a parfois des façons de, de réunir les gens, de mettre les gens ensemble. Il voilà, tu peux te voilà, pour être honnête avec toi au départ, tu t'approchais seulement parce que, parce que, parce qu'il faut bien une raison pour entrer dans une maison, ou bien il faut, il faut toujours une raison pour faire quelque chose. N'est-ce pas? Je préfère même encore que tu me dises écoute, que quand tu es venu derrière moi, tu avais un intérêt d'abord de ça. Après, maintenant, ça s'est transformé en ça. Oui. Même vous, les gars, là, non. Il y a les diodes que tu es tombé derrière lui parce qu'il avait la voiture. Tu es tombé derrière lui parce qu'il allait payer ton loyer pendant trois mois. Tu es arrivé maintenant, tu as découvert que waouh, le chocolat c'est là. Je pensais qu'il était mal désert, mais je... On a fait une fois, j'ai fait comment Il fait bien. Oui. La dégustation était parfaite. Petit à petit, tu commences, tu tombes derrière. Maintenant, le cœur qui bat, le cœur qui, hey, qui bat. le cœur qui bat. Le cœur qui bat. Ton cœur commence à battre. Tu ne sais pas comment ça fait. Mm -hmm. C'est ça. Donc, permettez, et je vous dis encore que Dieu, Dieu peut permettre que les chocolats et les chocolatières se rencontrent de mille et une façons, pour mille et une raisons. Ne bloquez pas votre esprit. Noël, ce que tu bavades, je ne sais pas comment ton chocolat fait pour te supporter. Yeah, Noëlla, Noël, et... j'espère que quand tu manges le chocolat, tu bavades. Parce que le genre de bouche que tu as là, c'est bien quand, pendant que tu manges le chocolat. Comme ça, tu coaches bien, tu le coaches bien. Oui, mais à gauche, mais à droite. Oui, là-bas, c'est là-bas, appuie encore là-bas. Le bouton là, c'est le bouton là que tu dois appuyer. Mm -hmm. Ce que je dis ici, c'est tellement important parce qu'il y en a parmi vous que vous sortez très peu. Euh, René, tu vois, là tu es en train de dire que voilà, tu découvres qu'il est marié. Ça veut dire que vous commencez vos choses en mettant toujours le mal devant. Et je prends mon temps pour vous détailler les choses aujourd'hui parce que il y a beaucoup d'entre vous, vous faites maison, boulot, boulot, maison. Dieu ne peut que t'amener peut-être un homme qui est peut-être un client au départ. Hé, Eve, tu aimes les choses. Hé, hey! hé, hé. Portez, Eve, vous le sortez d'ici. Hey! On va te balancer pour te sortir d'ici. Il y a les boutons à appuyer. Il y a les portes à ouvrir. Il uh -huh. y a les là-bas, là-bas, là-bas. Oui. Là-bas. Uh -huh. Donc, quand, le, quand Dieu connaît que la fille ici, si, pourquoi je lui amène un chocolat? Il faut que ce soit un chocolat, peut-être qu'il y a un client. Ou bien qui est euh, un ami de son patron. Il ne peut entrer par cette porte-là pour te donner le chocolat. Maintenant, si tu es déjà des personnes que tu as toutes les méthodes pour contrecarrer, pour, pour nocler le chocolat. Dès que le chocolat vient à gauche comme ça, là, tac, tu mets le pleure, tu lui mets un râteau. Il vient trop ça, là, tac, tu lui mets un râteau. Il va tac, tu lui mets le râteau. Tu dis, c'est comment, non? Tous tes collègues ont essayé. Bonsoir le roi Diouf. Tous tes collègues ont essayé. Donne le bénéfice du doute. Parce que vous dites toujours que quand Dieu veut faire quelque chose, il vous l'annonce. Et, 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 et um, Isaïe 5, 43, versets 18 et 19. Je vais faire quelque chose de nouveau. Et je vous l'annoncerai. Donc Dieu va. C'est vrai que dans le passé, tu as eu. Ma chérie, l'année passée, quand tu as rencontré le chocolat qui t'a abusé de toi, il a volé ton argent, il a fui. Tu ne connaissais pas tout ce que tu connais de toi maintenant. Tu es en train d'apprendre à t'aimer. Et l'année passée, tu étais un Maintenant, ton argent entre déjà. Tu ne dois plus regarder un homme seulement à cause de son argent. Bon, on, on peut supporter le ventre. Même si le ventre cache tout, le, tout le, le, le chocolat de devant, on ne le voit même pas. Bon, il a quand même la voiture, il peut payer mon loyer. Il peut même donner un peu l'argent pour les enfants. Non. Maintenant, tu as ton propre business. Donc, tu ne regardes plus le chocolat en fonction de l'argent qu'il a. Ce qui fait que maintenant tu es objectif. Tu as tes papiers maintenant. Tu ne guettes plus le chocolat. Dis, oh, il a Est-ce qu'il a les papiers Est-ce qu'il a les papiers Non. Ça ne rentre plus dans tes, dans tes choses. Maintenant, le Seigneur te dit qu'il travaillait sur toi depuis. Écoutez, moi, il ne prend jamais mon temps pour faire le direct pour rien. Il travaillait sur toi depuis. Pour maintenant t'ouvrir pour que tu reçoives un nouveau chocolat. Un chocolat pro. iPhone 14 Pro Max. Le dernier cri. Déjà, le genre de chocolat, que tu manges le chocolat toute une journée. Vous restez dans la chambre toute une journée, vous commandez le chocolat, ça vient. Vous commandez, ça vient, vous mangez. Vous commandez, ça vient, vous mangez. Vous ne vous fatiguez pas. Vous bavardez. Ma chérie, oui. Tu as 45 ans, tu crois que tu es vieillé. Tu n'as même pas encore commencé. Tu as manger le chocolat, tu as manger l'amour. Tu as dit que, Seigneur, dont vous être heureuse comme ça. Hein? Je te le prophétise au nom de Jésus. C'est chacun qui reçoit sa part. Si tu croiras, tu verras. Je suis convaincu que votre bonheur arrive. Et je ne veux pas que vous ayez seulement l'argent. Je ne veux pas que tu aies seulement l'argent, tu manges pas le chocolat. Manger le chocolat dans les plus grands hôtels, c'est sucré. Ça veut dire que tu as l'argent et tu as le chocolat. Bonjour la reine Sadia. Vous ne serez pas seulement riche. Vous serez riche et vous aurez les bons chocolats. Donc ton chocolat sera tellement... Le genre de chocolat que... S'il vous plaît, rêvez. Imaginez les belles scènes que tu vois dans les nouvelles à cette là Tu vois quand tu les regardes comment ils s'embrassent à la télé comme ça. Tu fais ⁇ Oh bébé, jetez-moi ton petit déjeuner dans le lit. Oh c'est ton anniversaire. Tu vois, tu fais ⁇ Vous aimez plus que qui Ce sera maintenant toi. Au nom de Jésus. Et quand tu... C'est pour avouer que quand tu es amoureux, il y a une douceur là dans toi. Il y a une douceur. C'est pour ça qu'on est amoureux, on peut tout porter pour donner au chocolat. Maintenant, il faut que tu saches que ça ne va plus venir et se garder. Tu me suis, non? Dis, j'ai suivi. Je suis en train de restaurer les émotions de quelqu'un là maintenant. Je restaure parce que je sens beaucoup d'une une bataille énergétique dans ton corps. Il y en a même, vous êtes mariés. Mais vous n'avez pas la paix dans votre foyer. Parce qu'il y a une bataille énergétique dans votre corps. <laughs> René, donc tu passes le temps à balayer la cour des voisins. Hein? Hein? <laughs> Bonsoir le roi Alphonse. Il y a même des gens qui sont mariés depuis des années, mais il y a encore cette frustration intérieure. Et vous ne faites que la présence, vous faites le, vous, vous faites le voilà, donc vous vous pointez devant les gens, vous voyez. Vous voyez les photos, vous mettez sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a, un, un, a pas cette harmonie, il n'y a pas ce bond-là. Jacques quand il part, il s'absente pour trois heures de temps. Tu écris es que bé, que, que, que tu me manques. Oui. Je prophétise l'harmonie dans ton couple. Je baisse tes barrières. Que toute douleur que tu as eue et que tu as conservée dans ton corps. Quand tu as fait ton lavage au sel ce soir et demain matin, je déclare que toute cette douleur s'évapore de ton corps au nom de Jésus. Je déclare que tu t'ouvres, tu ouvres ton énergie pour recevoir l'amour. Pour recevoir l'amour. Je change et je remplace ton énergie. Tu mets l'énergie d'abondance. Petite colline, tu n'es rien. Ça ne, peut, ça, ne peut, ça ne peut rien contre toi. Il y en a parmi vous, vous manifestez déjà l'argent. Vous voyez comment l'argent vient dans votre vie. Quand il pas vous dit dire, qu est-ce que ça peut Ma chérie, ne te dérange pas, c'est ta prochaine étape là-bas. Tu vas rester sur un jour, tu vas sentir la chaleur de l'amour dans ton cœur. Tu vas dire, hé, eh je croyais que quand j'ai aimé à 16 ans, là, c'était fini. Dieu a encore de bonnes choses pour toi. Dieu a encore de bonnes choses pour toi. Tu vas te sentir aimé. Tu vas laisser qu'on t'aime. Sans gâter. Tu vas accepter qu'on t'aime. Je le dis encore, ce n'est pas, pas dormir sur le même lit qu'un homme qui fait. Ce n'est pas le même lit là qui fait que... Non. Il y en a, vous sur le même lit. Dès que vous vous couchez comme ça là, le lit d'abord, c'est un lit de trois places. Tu mets ta tête comme ça, il met sa tête là-bas. Je restaure ce qui avait été abîmé en vous, qui a gâté votre couple. Je déclare aussi que euh, euh, si c'était une infidélité, ou bien si le, le motif de départ qui a fait que tu entres dans cette relation, si c'était pour une raison particulière, je déclare que cette raison se transforme en amour entre vous deux. L'ange du cœur, tu sais, dit seulement Amen. Dis seulement Amen, tu reçois. Parce que quand tu vas commencer à dire Amen, eh, demain, là, demain, tout ce que j'ai dit là, ça va commencer. Quand tu vas rencontrer un chocolat, un chocolat va entrer dans ton bureau demain. Tu vas sentir d'abord son parfum. Où oh, ta bouche, tu lui dis. Monsieur, vous sentez bon. Moi, là, eh, moi, ah, quand j'étais encore disponible, quand j'étais single, ready to mingle, me plaît, il te dit, cache que tu me plais. Il te dit, Aura, oui, j'aime ton parfum. Je restaure votre relation. Je déclare que ce ne sera pas un corvée pour vous de rentrer à la maison le soir. Ce ne sera pas un corvée. Ce ne sera pas un corvée. Je déclare que vous allez porter votre bague de mariage avec fierté. C'est un, un chemin de naïo-naïo. Mais je sais que ça va arriver pour vous. Je détruis les, les, les malédictions générationnelles que vous avez héritées de votre mère, de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère. Les choses que vous avez prises de votre arrière-grand-mère. Qui vous bloquent. Je déclare que vous êtes débloqué. Tu n'as pas d'ailleurs remarqué? Ton arrêt, grand-mère était la première femme. Le père est parti se marier avec une deuxième. Il a vécu chez la deuxième. Ta grand-mère était la première femme. Le grand-père est parti se marier chez une deuxième. Il a vécu avec la deuxième. Ta mère, elle a commencé avec quelqu'un. Après, ils ont arrêté. Le monsieur est parti épouser une autre personne. La même, c'est ta mère totalement. Tu as des cycles répétitifs de rejet. Tu vas laisser ton énergie s'ouvrir, ma chérie. Je brise les cycles répétitifs qui vous enchaînent, qui vous emprisonnent. Je déclare que vous allez être heureuse dans votre foyer, dans votre futur foyer. Je déclare la sincérité, l'ouverture, la restauration de la confiance dans votre foyer. Sincèrement, honnêtement. Peu importe les différends que vous avez eus avant. Comme vous m'écoutez. Ne dites pas que c'est lui qui devait écouter ceci. Non. C'est toi qui écoutes. Je baisse les barrières que tu as mises autour de ton cœur. Parfois, quelqu'un fait une erreur une fois. Après, il ne sait pas comment se racheter. Son erreur-là te rappelle ce que ta grand-mère a vécu, ce que ta mère a vécu, ce que ton arrêt grand-mère a vécu. Ça te bloque. Et comme ça te bloque, il essaie tellement de venir avec toi. Finalement, il ne se décourage pas pour de bon. Désormais, vous vivez à la maison. Vous vivez seulement. Je déclare que ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Yes, uh, no, uh, Yolande, your open yourself to change. Free yourself, free yourself. I like something, I say I like it. I don't like it, I say I don't like it. Very simple. Because I always say to myself if I let you go and I had a chance for you to be my husband, how can I afford to miss a cute husband like you? You're so handsome, man. How can I miss it? Hum? Et moi j'ai un goût de chocolat qui est... J'ai un goût. J'ai des le... un... goûts de chocolat. Dis-moi les goûts. Je ne vais pas vous décrire mes genres de goût mais bon. Ceux qui ont vu mon chocolat connaissent mon goût. <laughs> Le chocolat chocolaté. He, 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 he. Mm -hmm. Quand tu as le grand goût de chocolat, maintenant on travaille sur ça. Parce que même sur toi-même, tu travailles. Parce que si tu étais parfait, tu serais déjà dans une relation avec un bon chocolat. Maintenant, quand tu rencontres, tu vois si certaines choses, ils sont déjà. Je le laisse donc. Parce que dans toute relation, toi-même aussi, tu travailles. Tu, tu es tra donc, Dieu travaille sur toi. Il travaille sur ton chocolat. Et qui dit obstacle, ne dit pas forcément. Ou bien problème. Qui dit problème, ne dit pas forcément séparation. Parfois, les problèmes viennent vous rapprocher. Il y a des couples qui ont parfois... Traverser des maladies, peut-être un des partenaires a eu une maladie. Quand la personne sort de cette maladie-là, vous êtes encore plus soudé qu'avant. Ou bien euh, euh, vous avez fait une fausse couche dans le couple. Quand vous perdez le bébé, certes, ça fait mal, mais ça vous soude encore plus. J'ai un ami, ça fait quelques jours, il me dit que sa, sa femme a déjà fait 6 ou 7 fausses couches. Et la façon dont il me parlait, comment, il, comment son cœur saignait à chaque fois que sa femme saignait quand l'enfant sautait. Quand j'ai vu comment il exposait ses émotions, je disais, waouh wow, Il faut croire que c'est un homme, c'est un mâle qui, qui me dit ça. Et il parle de sa femme avec tellement de douceur. Je ne suis plus jalouse. Parce que, bon, avant, il disait, oh, oh, oh Seigneur, qui me donne ça Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus Et euh, il disait, non. Franchement, à chaque fois que ma chérie perdait un bébé, vraiment ça me faisait. Tu vois qu'il parlait de sa chérie avec douceur, avec tendresse. Je faisais oh, <laughs> oh, that's so cute. Les Anglais aiment trop ça. Oh. Donc, c'est c'est des choses parce que parfois quand on se met ensemble, on veut que ce soit pour le meilleur seulement. Et euh, j'ai compris que c'est le pire aussi. La façon dont on gère le pire. Quand le pire arrive, parfois même l'enfant qui allait naître allait être une distraction. L'enfant allait éviter que, vous, euh, que le couple ne se rapproche. Maintenant, quand vous faites une fausse couche comme ça, ça vous permet de vous voir. Parfois, il y a des relations que tu restes. Quand Dieu vous bénit avec l'enfant, tu te dis que bon. Comme, comme il y a l'enfant, je suis sûre qu'il avait moi seulement parce que je lui ai fait les enfants. Maintenant, quand Dieu retire l'enfant de ton ventre, l'enfant part. Tu vois comment il reste avec toi. Il te soutient. C'est là que tu te dis, waouh! OK. Ce n'était pas les enfants en fait. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne pensent pas qu'on mérite, qu'elles méritent l'amour. Beaucoup d'entre nous. On ne pense pas qu'on mérite l'amour. On pense qu'on est une relation par devoir. On pense qu'on est dans la relation parce que ouais, je m'occupe de tes enfants. De toutes les façons, ne si m'occupe pas de, tu vas faire comment de, Voilà. Bon. Parfois, enfin, je te dis que, ah, il, il avait moi parce que je lave le sol, je lave ses habits, je ne pas sa nourriture. Je, 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 je. De toutes les façons, donc, tu vois, la femme ne pense pas que... Elle mérite l'amour. Ce qui fait qu'elle a mur, elle a, la, la, son cœur est dur. Et quand ton cœur est dur, il essaie une fois, deux fois. Après, il s'habitue au ciel. Ah, elle est dure, moi, je suis dure. C'est bon, non Voilà. Ton chocolat te prouve et apprend et apprends à accepter que tu mérites son amour. Voilà. Vous savez, les chocolats qui parlent trop. <laughs> Ce sont les actions. Et parfois, il y a des chocolats qui ne savent pas comment faire bien. Tu vois, il fait peut-être une erreur. Tu lui dis que ouais, tu m'as fait mal, tu aurais dû faire comme ça. La prochaine fois, il fait comme tu voulais qu'il fasse. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a même des chocolats qui il, te, il demande la soumission par son amour pour toi. Il ne te force pas à te soumettre. Tu fais n'importe quoi, tu penses avant que. Gardez pour votre père, J'ai oh. acheté ça pour votre père. C'est pour lui. Oh, gardez pour papa, hein. C'est que papa vient du coup. Papa, tu es rentré. C'est ça que tu vas manger du chocolat. C'est ça que tu vas manger du chocolat. Elle oh, aimait, elle aimait, elle aimait. Oh my God. Mmh. Je vous en prie, ne dénigrez pas vos chocolats. Quand ton énergie change, OK, ce que j'ai remarqué, c'est que soit l'énergie de ton chocolat change, Soit ton chocolat part, soit vous vous séparez. Quand ton énergie change, tu commences à t'aimer, tu commences à penser que tu mérites le bonheur, tu commences à penser que tu mérites aussi que ton chocolat t'aime, qui te garde aussi même souvent, qui pense souvent à toi. Soit il change avec toi, soit il part. Donc ça sert à rien de l'insulter. N'insultez pas le chocolat s'il vous plaît. Quand même un chocolat qui a fait ta joie, et fait qui a toi et fait ta joie. Il t'a béni, c'est un moment. Il t'a amené voir Jésus au paradis. Comment tu peux te lever, tu l'insultes encore. Ne bénissez pas le chocolat qui vous a béni. Ne hum? maudissez pas le chocolat qui vous a béni. Pardon. Il t'a béni, dis-moi, oui, merci, si tu m'as béni un moment. Ne maudis pas. Je répands sur vous la paix et le pardon ce soir, peu importe loi à laquelle vous allez m'écouter. Je restaure vos émotions. Il est que vous n'êtes plus influencé négativement. Vous n'êtes plus influencé négativement par euh, un mauvais comportement ou encore par euh, quelque chose que vous avez vu dans l'enfance. Cette restauration ne sera pas, elle est irréversible. Que Bitsafak, ceux qui n'ont pas de chocolat, restaurez votre énergie avant que le chocolat ne vienne. j'ai pris mon temps pour expliquer toutes ces choses pour que si tu n'as pas de chocolat et que tu libères ça tu libères tu n'auras plus rejeter le chocolat parce que Dieu essaie de te donner des chocolats ma chérie Dieu essaye mais toi tu, tu rejettais. maintenant comme je parle je parle là tu libères ton énergie hmm? la prochaine fois tu peux m'arriver dans un bureau et vous voilà ton chocolat que tu avais prévu. Vous vous asseyez dans la même pièce. Mais vous vous asseyez dos à dos. Parce que l'énergie n'est pas prête. Maintenant, quand l'énergie est prête, vous vous rencontrez effectivement. Peut-être il, te, il, te, il, te, il, te, il te renverse quelque chose, tu te baisses pour ramasser. Donc vous, vous vous rencontrez. Et dès que vous vous regardez. Tu fez, wow! Ela parece de chocolate, yeah! Wow! Mm. <laughs> Are you my chocolate? Mm -hmm. Je restaure votre chocolat. Je restaure votre connexion à votre chocolat. S'il y a une relation qui avait été gâtée, peut-être c'était ton chocolat, c'est peut-être un ancien ami de lycée ou bien de tes ex, je ne sais pas. Et à chaque fois qu'il pense à toi, il te, il te relance, tu insultes. Hey, laisse-moi partir, oh là, là hein, tu m'avais fait des choses, non Ne m'écris plus jamais !» J'adoucis ton cœur concernant ton chocolat. Voilà. Je vous bénis. Ok. Mangeons le chocolat vivant. Le sommeil qu qui est à mes yeux est... Recevez votre restauration chocolatière. Je bénis votre chocolat. Je bénis vos relations. Au nom de Jésus. Amen.